Yes. Hop. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? Coucou Caro. Coucou et moi. Salut Paf. Les gars, est-ce que vous pouvez me dire si la qualité du son, elle est dégueulasse ou pas? J'essaie de mettre de la musique, mais je ne sais pas trop ce que ça donne. Sinon, j'enlèverai, je trouverai un autre moyen, mais là, c'est directement sur une enceinte. Donc, je ne sais pas trop ce que ça donne. Salut Paf, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est abdomino. Ouais, Caro, t'entends bien la musique? C'est pas horrible le son. Ok, bon, ça va. Est-ce que je la mets un peu plus loin? Ok, nickel. Nickel, nickel, nickel. Salut Armo. Ouais, du coup, je suis comme d'hab, hein, à la fois sur Insta et à la fois sur YouTube en même temps. Donc, si vous me voyez regarder à gauche et à droite, c'est normal. Ouais, ça va super bien et toi? T'es prêt pour la séance abdo? Ah, nickel et moi, parfait. Ok, allez, on se prépare tranquillement et on commence d'ici 3 minutes. Allez, je vais remplir ma bouteille d'eau. On a une petite serviette. On va le faire quand même. Armado, t'entends bien sur YouTube ou pas la musique ou c'est pas ouf la qualité? Dis-moi, bonjour. Ok, nickel. Hop, c'est ok, parfait. Ah, ben on attend encore deux petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Salut Johnny. Et après, on est parti pour les abdominaux aujourd'hui. Ok, donc comme d'habitude, comment ça va se passer? On va faire donc trois cycles. Ok, enchaînement d'abdominaux le plus possible. Donc, on va faire première série, on va faire 15 secondes sur chaque exercice. On va enchaîner 9 exercices différents avec du statique, donc du gainage, du concentrique-excentrique, etc. Donc, du classique, un crunch, etc. Ensuite, on prend une petite pause de 2 minutes et on recommence. Cette fois, on monte à 30 secondes. Ensuite, pause de 2 minutes. On recommence cette fois 45 secondes. Si jamais c'est trop difficile pour vous, plutôt que faire 45 secondes, essayez de vous donner un nombre de répétitions. Par exemple, là, si vous faites, je ne sais pas, 10 abdos en 15 secondes, l'objectif de la série d'après, ça sera d'en faire peut-être 12 ou 13. Et là, l'objectif de la série encore d'après, ça sera d'en faire 15. OK? Ça, c'est pour les débutants, ceux qui n'arrivent pas à tenir les 45 secondes. Si jamais vous arrivez à tenir à 45 secondes, on y va. On n'hésite pas. Et comme d'habitude, il y a une petite série bonus à la fin. Ça, on verra selon vos envies et vos capacités. Je vous redemanderai combien vous voulez en faire. Armado qui me dit « Attends, je passe aux toilettes. » Eh bien, écoute, on va t'attendre. Allez, t'as 2 minutes, Armo, et après, on commence. En attendant, petit échauffement tranquille. Yes, ok. Alors, juste faire monter un petit peu de cardio, on va faire une vingtaine de jumping jack, pardon. Donc,
C'est du classique, hein. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas compté, mais je pense que ça le fait. Ok, parfait. C'est histoire de faire un peu monter le rythme cardiaque, augmenter les réflexes musculaires. Hop, et être plus efficace sur nos exercices. Parfait. On va un peu chauffer le bassin aussi pour qu'on va permettre d'utiliser la ceinture abdominale. Et après, on est parti. Ok, dans l'autre sens. Ok, nickel. Allez, c'est parti. Donc, des crunchs. Je ne sais pas si vous voyez bien là sur Instagram. Je vais essayer de cadrer ça un peu mieux. On va voir ce que ça donne là. Bon, allez, on va dire que c'est OK. Ok, allez, c'est parti. 15 secondes de crunch. Hop. Allez, vous êtes prêts? En place. Les dos bien plats. Les mains derrière la tête et l'objectif. Redresser. Et relâchez en gardant le bas du dos collé. 3, 2, 1, allez, c'est parti, 15 secondes. Allez, 5, 3, 2, 1. Ok, alors on enchaîne direct avec les obliques. Yes, même chose de l'autre côté. Alors, on se concentre sur la contraction des abdos. On essaie de ne pas envoyer le coude vers l'avant. Ok. Hop. Allez, on passe au gainage. 15 secondes. Facile. 3, 2, 1. C'est parti. Ça, c'est le série de chauffe. C'est celle qu'on peut faire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, nickel. Allez, ensuite, oblique, mais d'une autre manière. On vient basculer le bassin et on vient monter tout droit comme des crunchs, mais cette fois, on se focalise vraiment sur les obliques. C'est parti. Allez, 5 secondes encore. Ok, allez, même chose de l'autre côté, c'est parti. Allez, 3, 2, 1. Ok, parfait. Allez, ensuite, on passe sur le gainage. Hop, allez, go. Allez, 5 secondes, vous servez les abdos. 3, 2, 1. Ok, nickel. Hop, ensuite, on passe au twist. Les twists, on se met en équilibre. Sur les fesses, les jambes levées, et on vient toucher d'un côté et on vient toucher de l'autre. Encore une fois, essayez d'avoir une meilleure rotation du buste, sinon ça ne travaille pas les abdominaux. Allez, c'est parti, 15 secondes, facile. Plus vous avez les jambes tendues, plus c'est difficile. Allez, 5, 3, 2, 1. Ok. Et ensuite, dernier exercice. Et après, on prend une pause. On fait les abdominaux en V. Donc là, on vient tendre, fermer. Tendre, fermer. Ok. Flexion, extension. 3, 2, 1. C'est parti. Belle contraction des abdos. Pour plus de difficultés, vous pouvez enlever les mains du sol. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Parfait. Yes. Allez, première série terminée. Salut tout le monde. Allez, 2 minutes de pause et après on est reparti. Et cette fois, on passe à 30 secondes. Yes. Ah, super. Ça va? T'as prévu quoi comme entraînement aujourd'hui, Théo? À part les abdos, évidemment.
Salut Serpent. Je ne sais pas comment on prononce ton prénom ou ton pseudo. Ah, t'inquiète, t'as raté la série de chauffe. Mais pas de souci, le plus dur arrive. Voilà, on a encore 1 minute 20, tranquille. Ouais, ça va et moi, elle était facile celle-ci, non? Haut du corps. Ok, parfait. Tu me diras si tu as des questions, on essaiera de voir ensemble. Ok, ça marche, Cyril. Ah, c'est logique, du coup. Alors, encore 1 minute, tranquille. Et la première partie, 30 secondes. Ça commence un petit peu à chauffer tranquillement. Yes. Allez, pendant que vous êtes là, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit abonnement, comme d'habitude, ça fait plaisir. Ça donne de la force, ça me permet moi d'avancer aussi dans mes projets, c'est cool. Et puis pendant qu'on y est, si vous voulez, j'ai créé un espèce de groupe, une espèce de communauté sur Facebook, ça s'appelle les Fit Fighters, je vais vous mettre le lien là, sur Instagram. Normalement, sur YouTube, vous avez... attendez, j'arrive pas à être en même temps. Fit Fighters, hop, et ça s'appelle Paramarin, et Marin, c'est moi-même. Voilà, donc ça, c'est un groupe Facebook, si vous pouvez le rejoindre, c'est une espèce de communauté où on est tous ensemble, on essaie de s'entraider, ok, donc se donner des astuces, etc., des conseils. Voilà, je parle trop, évidemment, on a dépassé le temps de pause. Allez, c'est parti, en place, cette fois on passe à 30 secondes, allez, on respire bien. 3, 2, 1, allez, c'est parti pour les crunchs. Prenez votre temps, respirez. On souffle, on essaie de bien décoller les épaules. Voilà, on garde le bas du dos, bien collé. Allez, 15 secondes encore, tranquille. Allez, comme d'habitude, même si on fatigue, essayez de ne pas projeter vos bras vers l'avant, essayez de ne pas tricher. Allez, 5, 4, 3. 2, 1, ok, alors on passe direct aux obliques. Jambes tendues, on vient ramener le coude au genou opposé. Allez, c'est parti, on respire. Allez, 20 secondes encore. 15. Allez, 10. Yes, allez, de l'autre côté, même chose, c'est parti. 30 secondes aussi. Allez, 20 secondes. Allez, 10. Allez, 3, 2, 1. Ok, parfait. Allez, on passe au gainage. La planche classique, serrer les abdos. N'essayez pas de creuser le dos. Allez, c'est parti. Repoussez bien le sol avec vos épaules. Et on exagère la contraction des abdominaux. On reçoit des planches qui sont comme ça. Là, voilà. C'est là où c'est le plus efficace. C'est là où vous travaillez vraiment votre sangle abdominal. En 15 secondes. Ensuite, vous pouvez jouer avec vos pointes de pied poussées ou reculées pour aller où vous êtes le plus confortable. Généralement, c'est les coudes sous les épaules. Mais encore une fois, ça dépend des morphologies de chacun. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, allez. Hop, les obliques. Rotation du bassin, 90 degrés. Vous connaissez d'avoir les genoux posés au sol. En même temps, ça augmente la mobilité du bassin, c'est parfait. Et c'est parti pour 30 secondes. Allez, go. Allez, 15. Dix. Allez, 3, 2, 1. Ok, parfait. Allez, de l'autre côté. Allez, essayez de ne pas mettre de temps sur le cou. On se concentre sur les abdos. Allez, 10 secondes.
1. Ok, parfait. Allez, gainage. Hop. Allez, allez, on enchaîne. C'est parti. Même chose, 30 secondes. Allez, courage. Allez, 20 secondes encore. Si vous voulez plus de difficultés, faites la même chose. Position pompe, déverrouillez les coudes. Ça va travailler vos épaules, vos pectoraux, vos triceps en plus. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. 3, 2, 1. Yes. Allez, on passe au twist. Hop, twist hyper efficace pour les obliques. Allez, c'est parti. Jambes tendues. On vient faire une belle rotation comme d'habitude. Allez, 15. Dix. Allez, 3, 2, 1. Ok, parfait. Allez, dernier avant la pause. Allez, c'est parti. Portefeuille, on tend, on plie. Flexion, extension. Allez, on prend son temps, on se concentre sur la contraction des abdominaux. Si vous vous déséquilibrez, prenez un peu de temps pour vous remettre en place, pas de souci. Allez, 15 secondes. 10. Allez, on a presque fini. Allez, 3. Ah non, pardon, 5. 4. 3. 7. 1. Ok, parfait. Yes. Deuxième série terminée. Ah, c'est bon, ça. Allez, 2 minutes de pause. Coucou, salsa learning. Hop, je te fais un petit coucou. Allez, 1030. Théo, tu mérites tellement plus de visibilité, c'est ouf. Ouais, merci beaucoup, mais t'inquiète, ça va arriver avec le temps. Ça va, paf. Allez, allez, c'est bien, normalement, c'est bien facile. Surtout vous, vous êtes assez récurrent, paf et moi, etc. Normalement, c'est de plus en plus simple pour vous. Ça va, Armagan, t'as les abdos en feu, c'est normal. Ça va, la musique, c'est pas trop fort. Je me rends pas compte, moi, de mon côté de l'écran. C'est une expérience que je fais aujourd'hui. Salut Kamel, ouais, pas de souci. Écoute, fais ce que tu peux. Là, c'est un challenge. Donc, un challenge, c'est fait pour vraiment se dépasser. Encore une fois. Je vous ai fait tomber Instagram, désolé. Encore une fois, ouais, donc je disais, c'est un challenge. Alors, un mot, tu n'entends pas la musique. La deuxième est la plus dure, ensuite du bonheur. C'est exactement ça. Donc, ouais, excuse-moi, Kamel, je m'éparpille un petit peu. C'est un challenge. L'objectif, c'est de faire ce que tu peux. Évidemment, si tu n'arrives pas tout de suite à faire les 30 secondes ou à faire les 45 secondes, il n'y a aucun souci. Fais ce que tu peux. Et en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas y arriver. OK? Laisse du temps à ton corps à s'adapter aux efforts que tu lui demandes. Théo, on n'entend pas vraiment. Je crois que ton micro réduit les bruits externes. Ouais, c'est possible. Voilà. Bon, je vais essayer de trouver une solution aujourd'hui pour pouvoir vous diffuser de la musique directement via l'ordinateur, je pense. Et sur Instagram, on verra comment on fait. Je pense que sur Instagram, vous entendez bien la musique. Je pense que c'est l'ordinateur qui fait un peu n'importe quoi. Mais normalement, d'ici quelques jours, je vais recevoir une webcam avec une qualité vidéo et une qualité audio largement supérieure à celle-ci. Mais bon. Allez, encore une fois, je parle beaucoup trop. Hop, on a fait les 2 minutes de pause. OK, donc là, on est parti pour les 45 secondes. D'accord ? Faites ce que vous pouvez encore une fois. Ouais, parfait. OK, OK, nickel. Allez, c'est parti, 45 secondes. Je vais prendre un minimum de temps de pause, pardon. Vous êtes prêts ? Instagram, c'est bon ? Ouais, Instagram, vous en parlez bien, je pense. Je pense que c'est l'ordinateur qui est fait. Allez, 45 secondes de crunch. On prend son temps, comme d'habitude. On a des larges postures, on essaye de ne pas mettre de tension dans le dos. On se concentre vraiment sur la contraction de ses abdominaux. Hop, j'arrive. Allez, 3, 2, 1, c'est parti.
Voilà, prenez votre temps. Pas besoin de faire 45 mouvements en 45 secondes. L'objectif, c'est pas d'en faire le plus possible, c'est de le faire le plus qualitativement possible. Allez, 30 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, allez, on passe aux objets directs. Allez, 30 secondes maintenant. Alors, essayez d'effectuer une belle rotation au niveau des épaules. On se concentre encore plus sur les obliques. Allez, 20 secondes. 15. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, allez, même chose de l'autre côté, c'est parti. Allez, 30 secondes. Allez, on tient plus que 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, parfait. Allez, on passe au gainage. 1, 3, 2, 1. C'est parti, 45 secondes de gainage. Allez, go. Allez, on serre bien les abdos, on serre bien les fesses, les cuisses. Écartez un petit peu plus les pieds si vous n'avez pas trop d'équilibre. On respire. Allez, 30 secondes, tranquille. Okay. 20 secondes. Il faut savoir que le record, je crois que c'est depuis 8 heures sur le gainage. Donc nous, avec nos 45 secondes, on est des petits rigolos quand même. Allez, 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, parfait, facile. Hop. Allez, désolé. Rotation du bassin. Hein. Allez, c'est parti. Et on monte tout droit, on se concentre vraiment sur les obliques là. Hop. Ça, c'est bon pour les poignets d'abord. Après, si vous puissiez cette partie-là, vous irez. J'appelle les abdos du surfeur, les abdos en V là. Allez, 20 secondes. Allez, 3, 2, 1. Yes, parfait. Allez, même chose de l'autre côté. Allez, go. Allez, on lâche pas, on tient. Allez, 20 secondes, on va faire comme ça. Allez, 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Ok, parfait. Allez, on retourne sur le gainage, 45 secondes. 3, 2, 1. Allez, go. Hop. Allez, on serre bien les abdos.
respire tranquille, 30 secondes. Besoin, c'est bon. Allez, 10. Voilà, ça c'est fini. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Allez, le plus compliqué, mais le préféré. Le twist. En place. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, on lève les jambes. Et on vient toucher d'un côté et toucher de l'autre. Allez, celui-là, il brûle, mais il est hyper efficace. Une seconde encore. Tiens. Allez, 20 secondes. Allez, allez, on donne tout. 15. Alors, on va jusqu'au bout, essayer de bien toucher le sol. Belle rotation. On a presque fini. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Ok, allez, dernier exercice. Le portefeuille, tendu, flexion, extension. Allez, allez, on donne tout. Alors, vous voyez, je suis plus malin. Là, je pose les mains. Ça devient aussi un peu compliqué pour moi. Je vais faire un équilibre sans poser les mains. C'est super compliqué. Là. Alors, on est tous dans le même cas. Ça commence à brûler, c'est normal. Allez, 20 secondes. 15. Allez, allez, on tient. Allez, 10. Allez, on est presque fini. Allez, 3, 2, 1. Yes. Yes, nickel. Troisième série terminée. Bravo. Ouais, pas dégueu, hein. Plutôt bon, là. Parfait, parfait, parfait. Bon, j'espère que ça va tout le monde. Kamel, ça va? Les 45 secondes, on a tenu. Et moi, paf, etc. Tout le monde va bien? Aragon, ça va? Parfait, paf. Allez, normalement, ça devient de plus en plus simple. Là. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti sur celle-ci. C'est normal qu'au niveau du dos, ça tire. Alors, si ça tire au niveau du dos, c'est parce que tu n'as pas une assez belle contraction au niveau des abdominaux. Donc, si c'est le cas, ne force jamais sur ton dos. Okay, l'objectif, c'est vraiment pas de se blesser, c'est au contraire de se renforcer. Le problème, c'est que si tu te baisses, après, tu vas devoir sauter tes entraînements et du coup, il n'y aura plus de progression. Donc, vas-y plus tranquillement. Fais peut-être pas 45 secondes, fais moins de répétitions, fais vraiment ce que tu peux. Maintenant, pourquoi ça tire dans le dos? Je vais te montrer. En fait, si tu n'as pas une belle contraction des abdominaux, ton corps il va forcément compenser parce que tu vas devoir tenir un équilibre. Pour tenir un équilibre, en fait, tu vas venir mettre une grosse tension là, au niveau du dos. Okay, donc, pour éviter ça, il va falloir que tu renforces progressivement tes abdominaux. Donc, ne va pas trop vite, ne va pas trop fort. Fais-le tranquillement, fais-le à ton rythme. Okay, une fois que tu auras tes abdominaux qui sont bien renforcés, tu pourras les utiliser beaucoup plus facilement et du coup, tu ne seras plus obligé de compenser avec ton dos. Okay, donc, voilà. Dès que ça tire dans ton dos, arrête-toi. Ce n'est pas normal. Ah, super, et moi, parfait. Très, très bien, ça. Théo, t'es sur YouTube et Instagram en même temps, c'est parfait, ça. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude. Normalement, on a fini le challenge. On a fait nos trois séries, à peu près un quart d'heure, même un peu plus. Maintenant, comme d'habitude, on a une petite série bonus. Alors, ma question, elle va être la même que d'habitude, c'est combien de temps on fait? Ça, c'est vous qui décidez. On part sur du 15 secondes, on fait du 30 secondes, on fait du 45 secondes, on fait un juste milieu, je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous voulez faire sur la série bonus. Selon votre forme physique. J'ai Armagan qui me dit 5 secondes. 5 secondes, tu vas voir qu'en fait, c'est cardio parce que comme tu changes de place énormément et très rapidement, alors en fait, ça va taper dans le cœur. Mais bon, ça ne sera pas trop efficace pour les abdominaux. Et moi qui me dis 20 secondes. On peut faire une série à 20 secondes sur chaque exo, ouais, c'est possible.
penser aussi à cause de ne pas faire les étirements. Ouais, les étirements, tu peux les faire. Alors, ne fais pas tout de suite les étirements. Ce n'est pas bon d'étirer un muscle qui est très chaud. Ok, je vais vous montrer tout à l'heure comment étirer les abdominaux et comment attirer un petit peu le dos aussi. Et paf, tu me dis 35 secondes. On a du 5 secondes, du 20 secondes, du 35 secondes. Écoutez, on va faire une petite moyenne. On va se faire en 25 secondes par exercice. Ça va le faire tranquillement. Ouais, on va faire ça. 25 secondes. Ok. Allez, c'est parti. Dernière série. Tranquille, les 25 secondes. Allez, vous êtes prêts? On se met en place. Allez, 25 secondes sur chaque exercice. Donc là, on prend un minimum de temps de pause, ok, comme d'habitude. Et vraiment, focalisez-vous sur la contraction de vos abdominaux, c'est hyper important. Attention à votre dos, hein, comme disait Kamel tout à l'heure. Concentrez-vous sur ça, cette partie-là. Ok, si jamais vous avez mal au dos, arrêtez-vous, prenez une petite pause, reconcentrez-vous sur la contraction de vos abdominaux et repartez tranquillement. D'accord, le but, c'est pas de se blesser. Allez, hop. Allez, en place. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, 25 secondes, vous allez voir. C'est facile après ce qu'on vient de faire. Allez, 10 secondes encore. Ok, 25. Allez, on passe aux obliques. Allez, 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Ok, allez, même chose de l'autre côté. Simple, efficace. Allez, encore 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Ok. Allez, gainage, hop. 25 secondes, gainage, c'est facile. On a fait le pire, on a fait le pire. Allez, la petite série bonus qui fait plaisir. Allez, allez, on tient. 15 secondes encore, facile. 10. Alors, on peut se mettre sur les bras sur celle-ci. Hop, on est déroulé. Good. 3, 2, 1. Oh, ok, alors on passe aux obliques. Allez, on enchaîne. Effacer. Hop, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc là, vous pouvez mettre votre main sur vos abdos pour bien sentir la contraction. Allez, 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, les mêmes choses de l'autre côté, pareil. Allez, on lâche rien, on a presque fini. Allez, 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Yes. Allez, gainage. Hop. Allez, c'est parti. 25 secondes de gainage, facile. Allez, sur les bras, on finit comme ça. Hop. Allez, on déverrouille les coudes. Et plus vous descendez, plus ce sera difficile, mais plus ce sera efficace. Alors, on va tirer 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Ok. Je suis perdu. Ouais, c'est bon. Le twist. Allez, 3, 2, 1, c'est parti pour le twist. Allez, on a quasiment terminé. Allez, gainez bien vos jambes, belle rotation du bus comme d'habitude. Allez, 10 secondes. On respire 5, 4, 3. 2, 1, ok, allez, flexion extension. Et après, on a terminé ça.
Allez, hop, c'est parti. Allez, 10 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Yes, parfait. Et ben voilà, nickel. Yes, bravo tout le monde. Petite série bonus, 25 secondes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais normalement, elle est tranquille, celle-ci. Alors, Kamel, mon Insta, je vais le mettre ici. Hop. Et surtout, hein, n'hésitez pas à rejoindre le groupe des Fit Fighters Pharma. Donc, c'est un groupe sur Facebook. Une communauté, on essaye de s'entraider tous ensemble. Il y a Japav qui nous a rejoint. Donc, voilà, c'est un tout nouveau groupe. Hein. Le but, c'est vraiment de créer une petite communauté et s'entraider tous ensemble. Voilà, se donner des conseils, se donner les entraînements qu'on a fait de la journée, etc. D'ailleurs, Théo, je ne sais pas si tu es encore là. Salut, Paul. Bonus du bonus. Ah, écoute, si tu veux faire un bonus du bonus, tu peux. Hein. Je pense que maintenant, tu connais les enchaînements. Hein. La musique est un peu trop forte. OK. Voilà, j'ai baissé un petit peu. Je ne sais pas ce que ça donne. Donc, ouais, bonus du bonus, paf, il n'y a, y a pas de souci, tu peux enchaîner si tu veux, hein, si tu sens. C'est toi et ton corps, je ne suis pas à ta place, donc si tu sens que tu peux, vas-y, hein, n'hésite pas, ok. Par contre, encore une fois, si tu sens que tu as des douleurs qui arrivent au dos, etc., stop tout, d'accord. L'objectif, c'est pas de se blesser. Mais si tu sens que tu es capable, vas-y, fonce, ok. C'est là où tu progresses, c'est en dépassant tes limites, en te poussant hors de tes limites que tu vas progresser, pas de souci. Maintenant, moi, je ne vais pas la faire avec vous, j'ai d'autres choses à faire, etc., mais ouais, je pense que tu connais les enchaînements, les exercices. Donc, tu vois, il y a les crunchs, les obliques. Ensuite, tu passes sur du gainage. Tu refais des obliques. Tu repasses sur du gainage, twist et les abdos en V. Voilà, donc comme ça, tu as une belle contraction bien complète au niveau de la ceinture abdominale. Et après, à toi de voir combien tu peux en faire. Tu n'es pas obligé de faire par nombre de… Enfin, tu n'es pas obligé de faire par temps, mais tu peux faire par nombre de répétitions. Tu peux dire, OK, je fais 15 reps sur chaque exercice, par exemple. OK, comme ça, tu n'as pas à t'embêter avec un chrono ou quoi que ce soit. À la fin du confinement, je vais devenir Rambo. Ouais, gère bien ton alimentation et c'est possible. Derrière un camel, n'hésite pas à nous rejoindre, hein, encore une fois sur le groupe Facebook. Et puis voilà. Donc, moi, je vous dis à demain pour le haut du corps. Je sais que c'est une séance qui n'est pas évidente. Donc, voilà. On va essayer de faire ce qu'on peut, comme aujourd'hui. OK? Haut du corps, donc on va vraiment essentiellement travailler comme d'habitude les épaules, les triceps et les pectoraux. Okay. On fait ce qu'on peut, il n'y a pas de souci. Et puis demain, 11h, comme d'habitude, je vais essayer de faire un sondage bientôt quand il y aura un peu plus de monde sur le groupe justement Facebook pour voir quel horaire vous convient le mieux. Vous êtes 11h, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc voilà, pour l'instant, je reste sur 11h parce que c'est ce que j'avais fait au début et puis ça nous donne un rendez-vous récurrent. Maintenant, je vais voir si je ne fais pas deux entraînements par jour. Un le matin et un en fin d'après-midi ou en début de soirée. On va voir. Yes, Kamel, pas de souci. Tu peux venir sur Facebook me poser tes questions. Aucun souci. J'essaierai de t'y répondre dans la journée. Ciao, paf. Bonne journée à toi aussi. À demain. Yes. Allez, je coupe le live. N'hésitez pas, hein, comme d'hab, à liker, partager, tout ça, pour me donner un peu de force. Et me faire avancer dans mes projets, c'est cool. Allez, gros bisous tout le monde. Ciao, ciao. À tout de suite, Kamel.